balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, c'était un honneur de vous retrouver en début de semaine. L'actualité. Connaissez tous les discours du président de la République, les échafaudés au niveau de l'Assemblée nationale, les députés qui ne veulent plus de Madame Abunda. Certains députés disent que ce n'est pas respecter la Constitution, la nomination d'un informateur au regard de la Constitution, que des questions techniques. Et voilà pourquoi je reçois pour vous quelqu'un que vous allez certainement aimer. Vous le connaissez, ce n'est plus quelqu'un à présenter, mais ce sera la première fois pour moi de le recevoir ici. Il est professeur, c'est... Je crois être le jeune professeur de la République aujourd'hui et l'une des branches les plus difficiles, il faut le dire, le droit constitutionnel est pur encore, mais c'est pas facile. Il est enfant d'un pasteur, d'un évêque, lui-même pasteur et responsable aussi de beaucoup de choses, beaucoup de cultes, on va dire, honorable député national, Daniel Mbaou. Soukissa, il est élu de Mouamba. Vous l'avez certainement suivi, il était le seul à demander au ministre de la décentralisation de démissionner pour son honneur et aussi demander à Madame Abunda de démissionner. Il faut du courage, de la lucidité pour le faire. Il appartient au MLC. Comment allez-vous, honorable? Bon, droit dans mes bottes, hein, cher Christian Rossembe, je suis très heureux à partager un plateau avec vous. Oui, merci. Et je pense qu'avec la notoriété que tu as pu prendre à Kinshasa, merci. D'ailleurs, ben, l'occasion me permettra de pouvoir aussi me déballer, communiquer avec mes compatriotes sur des questions techniques qui concernent le droit constitutionnel et par-delà le discours du chef d'État avec tous les béabas. Tous les béabas. Alors, monsieur, okay. Il faut rappeler que vous êtes d'une pertinence irréprochable aujourd'hui. Merci. Vous devenez professeur. Il faut le rappeler que dans la nomenclature de nos professeurs, vous êtes sinon le plus jeune professeur et dans un département, sinon dans une branche très difficile et compliquée, le droit constitutionnel. Professeur Mbaou. Vous vous sentez bien dans le professeur Mbaou, honorable Mbaou, pasteur Mbaou. Comment on vous classe directement? Non, mais en réalité, au-delà de toutes les casquettes, ben, je me sens beaucoup mieux lorsque je suis à l'église en train d'officier. Je suis un homme d'église. Et puis tout le reste, ce sont des personnages que nous portons. Personnages au sens du terme latin, persona. Donc nous jouons successivement des rôles. Lequel vous va le mieux? Comment vous le combinez? En fait, je combine, mais c'est difficile hein, pour combiner avec le temps qui court. Mais je suis très honoré lorsqu'on m'appelle professeur d'université parce qu'en réalité, dans l'ordre du savoir ou dans l'ordre cognitif, après Dieu, c'est le professeur d'université. Mais je suis aussi tout honoré lorsqu'on m'appelle avocat parce que je suis porteur de l'argumentaire d'autrui devant la barre. Mais en même temps, je suis défenseur des intérêts des plus faibles. De son voix. De ce peuple-là. Ouais. Mais à un moment donné, je suis regardé lorsqu'on me dit, mais voilà, vous êtes député national. Oh, vous avez du charme. En réalité, vous êtes porteur d'une légitimité. Cette fois-là, être avocat, la légitimité, elle est totalement légale parce que vous tenez cette qualité de par la loi, parce que vous appartenez à un ordre professionnel. Mais là, vous portez la casquette d'un député national parce que les gens ont décidé un matin, c'est historique. De pouvoir jeter l'air dévolu sur vous. Et ça fait de vous. Et dans un contexte particulier comme le nôtre, vous vous rendez compte la tranche d'âge dans laquelle nous appartenons, vous et moi, et pour réussir, je crois même vous, pour asseoir cette institution de manière stable. Ça a été la résultante d'après lutte. Et vous avez, quel âge aujourd'hui? Non, ben, je ne veux pas trop dire. Bon, si vous voulez,
J'ai l'âge de la mort du Christ. Ah, vous avez 33 ans. C'est bien quand même. Ça fait pratiquement beaucoup de temps que je ne voulais pas pour des raisons de convenance personnelle. Oui, mais c'est bien. Le contexte financier que vous dites, je suis plus jeune. Vous voyez comment vous êtes traité comme un paria. Mais il faut inspirer. Mais au contraire, avec vous, c'est l'effet contraire. Vous inspirez le respect quand on sait qu'à 33 ans, on peut être professeur, quand on sait qu'à 33 ans, on peut être pasteur, 33 ans, on peut être député. Eh bien, vous n'avez aucune idée, vous portez l'espoir de plusieurs personnes qui se disent « Mais on peut réussir parce que Daniel Mbao a réussi. » C'est une fierté et moi, je suis très, très fier de vous. Et il faut aller le dire tout de suite. Je suis très fier de vous, honorable. Alors, parlons-en. Le chef de l'État, hier, a finalement fait un discours. Et le discours du chef de l'État a tout de suite été corrigé. Je veux dire, corrigé ou attaqué par plusieurs personnes. Un, ils disent que ce discours était un discours irréaliste, rempli de promesses inutiles. D'autres ont pu se parler de la violation constante et régulière de la Constitution. Heureusement, nous avons un professeur de droit constitutionnel. Le discours du président au regard de la loi, y a-t-il violation, oui ou non? C'est-à-dire quand on me pose des questions techniques de droit constitutionnel, j'aime sortir du sérail politique pour donner les réponses neutres. Ben écoutez, ceux qui disent que les discours du chef de l'État, c'est un discours qui a l'allure d'un non-sens, ont le droit de les dire. Ont le droit de les dire parce que la liberté d'expression est constitutionnellement garantie. Mais ils ont tort d'affirmer que le chef de l'État n'a rien dit parce que le chef de l'État a dit quelque chose d'important. Le chef de l'État a tenu un discours de rupture, c'est fort. Et à mon avis, hier, nous avons assisté tous au tournant de l'histoire. Donc, il n'y a pas qu'une page qui a été tournée, c'est complètement un livre qui a été mis de côté. Donc, hier, c'était un discours de désoclage d'un système. Un système de prédation. Un système qui nous a malmenés il y a 18 ans. Et il faut avoir du courage à revendre. Et il faut avoir de la délicatesse, il faut avoir une attitude chevalieresque jusqu'à porter une telle responsabilité. Et vous avez vu, dans la population, c'était la liesse. Et la population a reçu cette nouvelle à bras le corps. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les hommes qui nous réunissent autour du chef de l'État. Aujourd'hui, ce sont des valeurs qui doivent dorénavant nous réunir. Et vous et moi avons toujours fait le chantre des valeurs. Nous avons toujours combattu pour des valeurs. Le chef de l'État a dit quelque chose de fort. Dorénavant, l'union sacrée, mais c'est un collectif de personnes autour des principes et valeurs. Ah, quels principes et valeurs ? Nous rentrons encore en droit constitutionnel de fond, démocratique et républicain. Ça dit tout. Et je considère que le chef d'État, en disant cela, il a dit avec pleine et entière conscience. Parce qu'en droit constitutionnel, les mots et les concepts font sens. Et ils sont en même temps pièges. Parce que derrière un concept, il y a une dimension sémantique spécifique. Qui dit valeur républicaine, on comprend ce que c'est. Qui dit valeur démocratique, on comprend ce que c'est. Ça veut dire dans les jours qui viennent, on ne va plus avoir des élections contestées. On ne va plus avoir des élections, j'allais dire... jonché d'incertitude. On va avoir des bonnes élections, mais au-delà de ça, on va ouvrir un vaste créneau d'échange pour apporter un plus dans la dynamique développementaliste. J'allais dire, le chef de l'État appelle tous les fils du Congo qui veulent bien, dans un contexte ouvert, sans qu'il y ait des traquenards, ça veut dire des pièges. Il appelle tous les Congolais à apporter leur contribution dans la construction de l'édifice national, ce qui est très positif. Alors, mais quand il dit, par exemple, qu'il faut supprimer le ministère de l'Intérieur, réduire la taille du gouvernement, est-ce que le président ne se met pas dans la peau d'un dictateur, finalement, qui impose au gouvernement, qui impose les débats institutionnels à son niveau personnel? J'ai cru entendre au ministère de la décentralisation. Oui. Pas forcément intérieur, intérieur, c'est un ministère régalien. Oui. Décentralisation, ben, cher ami Christian, c'est un trop inutile. La décentralisation, c'est un compartiment du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi vous avez demandé qu'il démissionne en réalité. Justement, et d'ailleurs, vous savez, depuis près d'une décennie, c'est ce ministère-là qui, petit à petit, nous crée des problèmes. Si aujourd'hui, mon ami et collègue Moïse Dozag est monté au créneau pour dénoncer, c'est parce qu'il y avait un ministère de l'Intérieur qui s'est précipité, j'allais dire, tout bout de champ de compétences avec le ministère de l'Intérieur. Alors que c'est un élément qui devait être absorbé dans le ministère de l'Intérieur. Je suis totalement d'accord parce qu'il nous faut une nouvelle administration. Oui. Vous savez, l'État, c'est une donne intellectuelle. L'État, c'est une architecture intelligente. L'État est pensé. Hein? L'État, ce n'est pas forcément la résultante de l'instantanéité. C'est la résultante de l'histoire. En fait, c'est la résultante de la volonté des hommes. Et il faut donner la forme à l'État. Et l'élément essentiel qui donne la forme à l'État, c'est l'organisation et l'administration. Lorsque le président de la République veut organiser une administration, en réalité, le président de la République jette les bases pour la refondation de l'État. Et moi, en tant que constitutionnaliste, je peux convoitionner frénétiquement parce que j'estime pour ma part que le discours d'hier, c'est un discours porteur d'espoir, c'est un discours qui permet à ta génération, à la mienne,
n'est-ce pas, de rêver un Congo grand fort. Mais comment faites-vous pour vous départir de carcan politique, je veux dire du MLC? Parce qu'autrefois, on a dit que le MLC, pas autrefois, l'MLC dans l'opposition. Mais comment vous faites-vous personnellement pour percevoir les choses sans tenir compte de vos carcans politiques? Non, mais justement, vous le savez, à un moment donné, j'ai été traité d'un enfant rebelle. Mais cette rébellion était justifiée par le fait que toute ma vie, je suis soclé dans les valeurs et les principes. Mais à chaque fois qu'il fallait dire vérité des urnes, je les disais. Et j'ai combattu pour la vérité des urnes dans ces pays lorsque les MLC combattaient. Lorsque j'ai vu que les débats commençaient à perdre son éclat, je me suis désolidarisé. Et j'ai donné des explications. Je suis un des rares à avoir proposé, député à soi, plus de propositions de loi. Vous vous rendez compte? Et puis à un moment donné, les gens disaient, ben, il veut donner l'impression qu'il est plus prolifique que les autres en termes de production normative. Donc c'est peut-être ma façon de fonctionner. C'est comme par moment, des gens se posent des questions, ben, quelle est la recette magique de Christian Bostembe? Je n'en sais pas moi non plus à la fourchette. Vous le savez vous-même. C'est-à-dire que nous fonctionnons dans un contexte où chacun de nous donne le meilleur de soi-même. Et moi, la particularité, c'est que je fonctionne avec un esprit supérieur, le Saint-Esprit. Qui vous aide à comprendre qu'ici, il faut faire la part des choses entre les débats politiciens et les débats de construction normative. Non, parce que je fais la politique, pour moi, c'est, je la considère pas comme un métier, mais comme une vocation. Et moi, lorsque je suis venu en politique, je regardais les choses avec beaucoup de délai à distance. Et je sentais en moi comme une vocation, vocare, chose qui venait à moi pour dire, bah, écoute, je, non, tu peux apporter un plus. Et vous êtes en train certainement de l'apporter. Parlons maintenant de ce discours de l'informateur, parce que les gens se posent quand même beaucoup de questions. Honorable Mbaou, à partir de quel moment on parle de l'informateur? Est-ce qu'il faut impérativement la démission d'un Premier ministre ou l'informateur, c'est une autre démarche qui n'a rien à voir avec la démarche du Premier ministre? Vous savez, cher Christian, il faut aider la population de manière pédagogique à comprendre certaines choses. Oui. Hein, parce qu'apparemment, les gens ont tendance, alors qu'ils n'ont pas la casquette des constitutionnalistes, à amalgamer. Généralement, je pars d'un postulat de rationalité, un principe général des droits. Tout ce qui n'est pas interdit, expressément interdit, est permis. Oui. Et il est interdit d'interdire ce qui n'est pas interdit. Lorsque vous lisez la Constitution du février 2006, dans ces trois segments, les préambules, l'exposé motif et les dispositifs qui contiennent son, de son article, vous vous rendez compte que nulle part, il est proscrit au chef de l'État de nommer un informateur alors que le Premier ministre est en fonction. Mais il est par contre dit que le président de la République ne peut se défaire de son Premier ministre en cas de démission. Ça, c'est clair. Et c'est même un critère structurant de tout régime parlementaire. C'est ici l'occasion, avant de revenir à ta question, de dissiper les mailles, des confusions autour de la nomenclature, de la qualification juridique de notre régime, parce qu'il y a des débats autour... Tantôt c'est primo-ministériel, tantôt c'est parlementariste rationalisé et tout ça. Mais les gens doivent comprendre que les choses évoluent dans la sériation, ça veut dire dans des typologies. Et les typologies, c'est la doctrine qui propose des typologies. Et la typologie qui est plus en vogue, que nous utilisons, vous et moi, généralement, ou que le commun des commentaires utilise, c'est la typologie classique qui série les régimes en trois, les régimes de confusion, les régimes de séparation et de collaboration. Et il y a une typologie qui est contemporaine, il y a une autre typologie qui est postmoderne, il y a une autre typologie qui est systémique. Et c'est dans la typologie systémique qu'on trouve les régimes présidentialistes, les régimes primo-ministériels. Et cette typologie ne se cristallise et ne s'apprécie qu'en fonction de la réalité du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Et non pas forcément en fonction de la structuration du pouvoir. Parce qu'il y a une constitution proclamée, structurée, mais il y a aussi une constitution appliquée. Donc, la primo-ministérialité se cristallise dans l'application de la Constitution. Lorsque l'on sent que le Premier ministre commence à avoir une amplitude dans la démarche institutionnelle, et à ce moment-là, le régime devient primo-ministériel. Mais dans certains États, comme la Grande-Bretagne, effectivement, ils ont une constitution coutumière. On le sent même dans les bribes des textes que le régime est fondamentalement primo-ministériel. Mais le nôtre peut basculer dans le primo-ministérialité à tout moment. Et lorsque, en cas généralement de cohabitation, on va y revenir. Vous avez posé la question, est-ce que c'est constitutionnel? Oui. Oui. Il nomme l'informateur, c'est constitutionnel. Parce que, conformément à l'article 78, le président de la République, il est le seul qui nomme le Premier ministre après consultation de la majorité parlementaire. Mais vous remarquez, M. Christian Bostembe, que depuis 2018, nos élections, disputées, contestées, il n'y a aucun parti politique à lui seul qui a raflé la majorité absolue. Mmh. Et donc, en parlant l'occurrence, le président de la République est enclin de nommer un informateur pour l'identifier. Mais il y a eu le FCCK, qui n'a jamais été, ce qui est une fraude à la Constitution. Oui. En réalité, il y a eu vice de forme. Et vous savez la sanction en droit administratif. Donc, moi, je peux considérer cet acte-là. Mais je ne dis pas forcément inexistant. Mais on est. Quelqu'un d'autre me dirait, mais écoutez, professeur, vous dites qu'il est inexistant, mais c'est un acte subjectif. Parce qu'il nomme des individus, il crée des droits.
et ne peut contester cet acte que le titulaire de ces droits-là. Et donc, à partir du moment où vous et moi n'avons pas qualité à justiciabiliser cet acte, ça veut dire que apporter cet acte devant le juge pour l'annulation, il demeure, il existe, il produit ses effets. C'est comme ça qu'il nous cambait Premier ministre, mais sous la base de la fraude. Mais maintenant, le président de la République peut nommer l'informateur. Pourquoi? Parce que le régime semi-présidentiel, régime parlementaire rationalisé ou dualiste tel que nous l'avons, ne le lui interdit pas. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et il a interdit ce qui n'est pas interdit. Et donc, tenez, dans le régime parlementaire comme le nôtre, à majorité composite, à chaque fois que besoin, la majorité peut toujours basculer. Et le basculement de la majorité entraîne des conséquences fâcheuses sur la vie du Premier ministre, parce qu'il est Premier ministre de la majorité de la législature. Alors maintenant, à ce stade, on a un Premier ministre, mais puis on a un informateur. En fait, on n'a pas encore un informateur, on va le désigner dans un peu de temps. Dites-nous comment va fonctionner le pays si cet informateur continue à pose des actes, par exemple. Très bien. Comment va faire le Premier ministre? Qu'est-ce qui va se passer? Cher Christian Bossembe, nous noterons que la nomination d'informateur n'est pas la synonymie de la révocation du Premier ministre. Non. Inoukamba est là. Alors qu'on nomme l'informateur. L'informateur a une mission constitutionnelle. Peut-il poser des actes? Le Premier ministre, c'est le Premier ministre. Ah, d'accord. Tant qu'il n'est pas encore formellement révoqué. Sa révocation, c'est le Parlement qui les révoque par une motion de censure. Et le président de la République reçoit sa démission. Mais il peut mourir aussi par caducité. Je vais m'expliquer. Allez-y. Et donc, lorsqu'il y a un Premier ministre, un informateur qui est nommé, il évolue dans la sphère des compétences qui sont siennes. Et donc, il n'a qu'à rendre compte au chef de l'État. Et l'ordonnance qui nomme l'informateur, conformément à l'article 79 de la Constitution, cette ordonnance n'est pas soumise au contreseing du Premier ministre. Parce que c'est l'acte qui le met en place, donc il ne peut pas le contresigner. Et l'ordonnance qui nomme le Premier ministre et celle qui nomme l'informateur entrent dans le pouvoir régalien du chef de l'État, dans le pouvoir propre du chef de l'État. Sans contreseing. Il n'y a pas de contreseing primo-ministériel. La compétence du chef d'État n'est pas liée. Donc il est libre, il a des mains libres pour nommer l'informateur. Mais dans le cas des régimes parlementaires, lorsque l'informateur revient avec une information comme quoi que la majorité a basculé, parce qu'on apprend déjà que les ministres des Cas sont en train de démissionner, oui. Et le ministre FCC ADRP, tous ces regroupements qui aujourd'hui veulent s'intégrer l'Union sacrée sont en train de démissionner, en pareille occurrence, il est possible que la majorité bascule. Si l'informateur, venant avec les rapports, fait voir au chef d'État effectivement que la majorité a changé de cas, le président de la République peut nommer. Mais moi, ouais, il peut nommer. Il peut nommer un Premier ministre. Et lorsqu'il nomme un Premier ministre, les précédents actes meurent par caducité. Ouais. Alors, c'est ce que vous dites. Et cette caducité va aller jusqu'à la disparition totale, au moment de l'investiture. Parce qu'il n'y a pas que la nomination en droit administratif. Il y a la nomination, la phase de la nomination et la phase de l'investiture. Et lorsqu'on vous investit, ça veut dire que vous avez le oripeau du pouvoir. Vous êtes considéré comme tel en cette fonction. Est-ce que la nouvelle ordonnance annule carrément l'ancienne ordonnance? Non, mais je dis, de fait, en droit administratif, lorsqu'il y a une nouvelle ordonnance, les nouvelles dispositions ont tendance à déroger sur les anciennes. Ok. Et l'abrogation de la précédente est implicite. Ça peut ne pas être dit explicitement dans l'ordonnance, parce que l'ordonnance, finalement, a des dispositions transitoires. Vous savez, des dispositions finales, qui indiquent souvent que la présente ordonnance annule tous les actes antérieurs, c'est-à-dire tout acte antérieur à l'ordonnance tombe caduc et nul le déni le fait. Et cette ordonnance entre en application à la date de sa signature. Vous nous affirmez, honorable Mbaou, qu'il n'y a pas de forcing dedans. Il n'y a pas de forcing. Jusque-là, il n'y a pas de violation de constitution. Il n'y a pas de violation de constitution. Et puis j'aimerais préciser une chose. Okay. La différence, par exemple, du droit pénal, qui est un droit des voleurs, un droit des gangsters, le droit conscient, c'est un droit des personnes civilisées. Ce qui revient à dire que lorsqu'il y a brisure, rupture de la confiance, la fonction politique en droit constitutionnel s'effrite. Un Premier ministre ne peut pas s'encrouter dans un poste alors que les régimes dans lesquels il fonctionne nécessitent une double confiance, régime parlementaire dualiste. Le président de la République peut vouloir aussi, dans l'hypothèse absurde, il peut vouloir de son Premier ministre. Vous vous rendez compte? Et le Parlement dit non, nous ne voulons pas de lui. Le Parlement peut l'évincer à l'encontre des volontés du président. Oui, avec une motion de censure. Constate la mort politique de son Premier ministre. C'est par contre c'est aussi possible que le président de la République fasse constater la mort politique du Premier ministre. Je ne te vois pas, Christian, garçon sérieux, droit, constant, cohérent, que tu te mettes à te faire humilier tous les jours par un chef de l'État qui ne veut plus de toi. Parce que le droit constitutionnel, c'est un droit de la délicatesse. Alors, c'est-à-dire que si Ilunga ne le fait pas,
et que son audace n'est plus considérée dans l'ordre juridique et la force des faits, n'est-ce pas, faire en sorte que Ilukamba soit défenestré de la primature. Et ça sera un spectacle désolant. Ça veut dire, en termes clairs, ça veut dire qu'on va lui retirer tous les honneurs possibles liés à la fonction. Et on va les pousser à passer une remise et reprise contre son gré, ce qui est inacceptable. Donc, lorsqu'on arrive à ce stade-là, ça s'appelle le stade délinquentiel. Lorsqu'on arrive au stade délinquentiel, on est traité comme un brigand. Alors, pour échapper à tout ça, pour éviter tout ça, il faut que M. Ilukamba démissionne de lui-même. Mais justement, en tant qu'on sait qu'il n'y a pas de confiance, on démissionne. Vous l'avez demandé ça plusieurs fois d'ailleurs. Justement, on lui a demandé. À son âge, il ne peut pas se faire manipuler par des jeunes gens. Il n'a qu'à démissionner. Lorsque le chef de l'État dit non, et c'est quand même assez honteux que vous alliez dans les grandes inaugurations, que vous allez dans les grandes cérémonies, que le chef d'État ne vous regarde même pas. Dans un régime parlementaire, une telle cohabitation n'est pas possible. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez notre constitution, article 79, la constitution reconnaît la compétence des convocations et même de la présidente du conseil des ministres. Co-président lui-même. Est-ce que la cohabitation est-elle autorisée dans le droit constitutionnel? Justement, dans la forme, oui. Oui. Mais dans la pratique, les faits, la cohabitation risque de produire des effets nauséabonds. Ouais. Et même en France, où la cohabitation peut être possible dans la pratique, mais ça produit des effets pervers. Souvenez-vous, je crois que vous avez lu Balladur dans son ouvrage intitulé « Le pouvoir ne se partage pas ». Il a fini avec une phrase magnifique pour dire que la coalition en France a institué un système opaque parce que la responsabilité s'en trouva diluée hors la démocratie requiert la clarté. Donc, en réalité, il a cru être partenaire du président de la République alors qu'ils étaient adversaires. C'était en quelque sorte un partenariat dans la diversité. C'est ça la cohabitation. Et le droit constitutionnel n'offre pas. Parce que c'est un droit de civiliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas comme le droit pénal où il s'agit des voleurs, de ceux qui sont des délinquants. Mais là, dans votre droit, le droit constitutionnel, c'est un droit des hommes civilisés. Et quand il n'y a plus confiance, eh bien, il faut qu'il y ait une rupture. Exactement. Alors, parlons maintenant des incidents au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Lorsque le président dit « je vais nommer un informateur », comment ça se passe tout de suite? C'est quoi la typologie de l'Assemblée nationale en ce moment? Non, mais ce qui se passe en l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale est en quelque sorte sous le qui-vive. D'accord. En réalité, il y a une épée de Damoclès qui est suspendue sous le cou de tous les élus. Et j'ai bien aimé votre phrase. Ou un chômage collectif, ou nous suivons le redressement du pays. Exactement. Très bien. Alors comment vous faites ce parallélisme-là? Mais c'est à nous de faire le choix rationnel. Ouais. Ou soit nous signons notre propre arrêt de mort, ou soit nous acceptons tous de travailler pour le peuple congolais. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que ce n'est pas une menace que le président vous fait finalement? Non, mais ça peut paraître pour des moins avertis comme une forme de menace. Ouais. Mais pour les initiés, ils diront qu'il est resté dans ses compétences régaliennes. Ce n'est pas de là, chantage. Il n'a pas parlé comme Félix Tshisekedi du Tshilombo. Il a parlé comme chef de l'État. Commandant suprême des forces armées. C'est ce que vous appelez en droit constitutionnel une arme nucléaire, c'est ça? En fait, une bombe nucléaire? Justement, il est en train de préparer ses artilleries pour exploser une institution. D'accord. Et il a ce pouvoir de faire exploser une institution. En réalité, pour la population congolaise, c'est une panacée, c'est un remède. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si on nous proposait soit qu'on nous ampute la main ou soit qu'on nous administre le soin. C'est à vous de faire le choix. Soit vous acceptez qu'on vous administre les soins, ça veut dire que vous laissez circuler le sang, et que la population se retrouve dans cette circulation sanguine, la reconfiguration, la restructuration, la requalification apporte la rénovation, la sublimation, l'avancement de la société, soit que vous vous cabrez dans une posture, sclérosée, vous dites, mais nous n'allons pas, et vous mourrez, comme le disait professeur Bouchab, Mbata par inanition. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, vous vous asphyxiez et vous vous effondrez. Parce qu'en réalité, dans le régime parlementaire, c'est un régime qui est caractérisé par une forme de collaboration sanctionnée. Nous collaborons, c'est le principe équilibre et collaboration. Mais lorsque la collaboration n'est pas démise, c'est la sanction. Alors, c'est l'institution qui paraît la plus souple et la plus apte à sanctionner, c'est celle-là qui gagne la bataille. Mais après, dans l'ordre cratologique, ça veut dire dans l'ordre d'appréciation du pouvoir, il faut voir quelle est l'institution de cette bataille qui peut avoir la capacité de dire les derniers mots. Et aujourd'hui, parce que dans le contexte actuel, s'il y a une crise entre nous et le Premier ministre, nous avons le dernier mot, la possibilité de pouvoir l'évincer par une motion de censure. Ou un ministre rebelle soit-il, nous pouvons le récupérer, le recadrer en le sanctionnant.
Mais c'est que le FCC ne nous a pas donné comme possibilité. Mais après, à chaque fois qu'il y a contestation entre nous et cette institution, le gouvernement qui est notre émanation, il y a un arbitre, un chef d'État. Quand il arbitre, en réalité, il sanctionne, mais en même temps, il apporte un remède à une solution. C'est une forme de palliative à une crise. Vous comprenez? Donc, parce que c'est à nous, maintenant, de produire la crise. Le chef d'État nous a lancé la balle. Il ne veut pas être acteur majeur de la crise. Il veut que nous-mêmes soyons acteurs majeurs de la crise. Et lui veut être l'arbitre. Il veut être l'arbitre. Celui qui va administrer le coup fatal. Il prend ses distances pour nous donner peut-être des coups en rigolant. Okay. Mais ce sont des coups qui vont nous amener à la fatalité. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes prêt à aller à ces... Quelle est la tendance qui se dégage? Moi, de toute manière, je suis d'accord. Moi, je veux une assemblée parlementaire saine. Moi, je ne suis pas à recevoir le coup du chef de l'État. Je rentrerai, je battrai campagne, je reviendrai. J'ai un bilan à présenter. Mais je regarde, il y a beaucoup de collègues mais qui ne sont pas prêts à recevoir le coup. Alors, vous leur proposez l'obéissance. Vous dites, obéissez, sinon vous avez le coup. Mais juste, cette fatalité risque d'écarter toute hypothèse de résurrection. Oui. S'il meurt, il meurt pour de bon, en fait. Il meurt pour de bon et ils sont oubliés. Oui. Et donc, c'est à eux de faire le choix. Oui. Donc, le chef d'État dit, ben, vous évincez Mabunda. On vous observe. Évincez Mabunda en réalité, parce que c'est votre initiative parlementaire. Oui. Mais approuver aussi le programme du Premier ministre que je veux nommer. Si, si. Ah ben, si vous ne résistez pas à l'FNC et que vous n'approuvez pas, rassurez-vous, je ne suivrai pas votre voix parce que le peuple n'est pas d'accord avec les choses. Et je vous mets tous à la porte. En ce moment, vous et nous et le peuple allons constater la cristallisation de l'article 148. Et je fais quoi, moi, chef d'État? Je dissous. Alors, parlons Je vous envoie un chômage anticipé. Parlons de la dissolution maintenant. Alors, nous voulons savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a mis dans tous vos états? On a vu des députés. Je vous ai vu sur la vidéo, ça m'a fait rire. Vous étiez en train de courir derrière un monsieur, Orosimba le Lodokimo, Orosimba le Lodokimo. Alors, j'ai vu comment vous étiez en train d'éviter de tomber dans les voies de fait, ainsi de suite. Mais à un moment donné, c'était un spectacle désolant. Ça veut dire que, Christian, tu vas être député en CP, tu comprendras. Peut-être que les choses changent. Ah, amen, si tu le dis en tant que pasteur. Là, c'est un prophète qui a parlé. Ouais, je le dis avec prophétie, avec onction. Okay. Tu sais quoi? Oui. Nous sommes dans un contexte prélatocratique. D'accord. Où le gangstérisme constitutionnel bat son plein. Vous arrivez dans une assemblée parlementaire qui est censée ouvrir jusqu'à midi, à 13h, mais où l'on congédie tout le personnel. Mais c'est quand même affreux. Ça n'a jamais été dans l'histoire parlementaire dans aucun État. Renseigne-toi. La jurisprudence est là. Hein? C'est pas possible, honorable. Renseigne-toi. C'était un samedi, c'est pas un jour férié. Ça veut dire que ce jour-là, Mabunda a fait taire tous les manuels de droit constitutionnel. Ça n'a jamais été. Et puis, il fallait inventer une solution. Et nous avons proposé, en tant que constitutionnaliste, qu'il fallait absolument recourir à une situation par voie judiciaire. Parce que nous-mêmes n'avions pas en ce moment la qualité ouest de trouver une solution. Et ce qui a fait que nous sommes allés au-delà des 13 heures. Mais après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ils se sont organisés à nous voler le secrétaire général qui était là à 9h. On lui a fait des promesses faramineuses. J'ai appris 100 000 dollars, je ne confirme rien. 100 000 dollars. Et on lui a même promis l'avion pour ses enfants, les billets, qu'on sort. On lui a promis... Mon Dieu merveille. Voyez-vous. Et puis les gars, nous l'avons perdu des radars. Donc, on ne savait plus la voir. Ah, le gars, Ali Mouébino. Ali Moué. En fait, il fallait maintenant inventer une solution. Oui. Et heureusement que le chairman, Jean-Pierre Bemba, qui a le cœur à l'ouvrage, c'est un patriote, un des acteurs de la construction de la constitution du 18 février 2006. Quand vous regardez dans les lignes de force de la Constitution, vous verrez l'option libérale qui y est déclinée dedans, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, respectant les normes, les règles, et l'état des droits, le système, il a instruit à Jacques Lungwana, qui pourtant était enfermé chez Mabunda à Paris. Donc, un matin, Jacques Lungwana, Mabunda s'organise à monter une réunion chez lui, avec tous les membres du bureau. Lungwana débarque, Lungwana apprend que la porte est cadenassée. Un peu séquestré à l'intérieur. Ça, c'est du gangstérisme. Ouais. Et de la séquestration, je veux non, dire. Non, mais oui. Ça veut dire que sur le plan pénal, il n'a qu'à s'en plaindre. Oui. Mais finalement, il s'en est sorti belle. Et à 17h, il est venu régler la situation. Lorsqu'ils ont appris que Lungwana était là, Lungwana, en entrant, ils ont ordonné d'abord que Lungwana soit enfermé. Du devant comme du derrière. C'est pas possible. Lungwana entre dans son bureau, Lungwana est séquestré. Ah, il fallait trouver la solution. Nous appelons Lungwana, Lungwana a dit, je suis au bureau, venez me signifier. Nous arrivons, la porte est cadenassée avec tout. Mais écoutez, c'est une scène horrible. Et enfin, lorsqu'on a eu Lungwana, ils ont décidé carrément de libérer le secrétaire général. Lorsqu'ils l'ont libéré, nous avons dit, ben,
Ils ont cru qu'ils nous piégeaient alors qu'ils sont tombés dans leur propre traquenard. Nous disons pour le moins, il reçoit sa signification. Et les autres, je vais évoquer ici, peut-être on n'a pas assez de temps. Non, allez-y. La théorie des fonctionnaires de fait, oui. La théorie de la continuité des services. C'est important pour nous. Justement, parce qu'en cas de carence et dysfonctionnement de l'administration, c'est le secrétaire général qui comble. Exact. Et la signification qui est faite et le dépôt qui est opéré est juridiquement correct et licite. C'est ce qu'on a fait. Lorsqu'ils ont compris, ils ont demandé au secrétaire général de fouiller. Parce que sachant qu'en pareille occurrence, c'est le secrétaire général conformément à l'article 31 qui va convoquer la plénière. La plénière au cours de laquelle le bureau d'âge sera installé. J'ai dit bureau d'âge. Parce qu'il y aura le plus âgé et les deux moins âgés. Exactement. Ben, pour paralyser la procédure, créer un hiatus, une fracture. Et une fracture, ils ont fait fouiller le secrétaire général. Le secrétaire général fait balancer tous les documents qu'il avait à même le sol. Imagine, Christian. Tu peux être sérieux professeur de droit constitutionnel, tu as la responsabilité de la République. C'est-à-dire que vous voulez désocler un système, mais il y a un acteur essentiel dans le processus de désoclage qui veut vous échapper. Alors c'est comme ça, vous avez vu. J'étais en train de courir après le secrétaire général, mais j'avais toute la latitude de les saisir. Oui, j'ai vu, vous étiez tenté de le faire. Mais finalement, j'ai regardé les réseaux sociaux. Oui. Mais derrière, il y a une députée, je ne vais pas citer les noms. Une députée de la majorité, toute députée de son état, qui était en train de fumer pour balancer, pour dire qu'on aura Daniel Mbao. Oui, j'ai vu ça, malheureusement. M'en crois-tu capable? Le peuple n'a pas compris ça, le peuple a vu la vidéo. M'en crois-tu capable? Ai-je des biceps? Ai-je la capacité de faire même mal à une mouche, moi? Je ne peux pas. De par mes racines, j'ai du respect pour la personne humaine, très fondamentalement. Je n'en peux pas, c'est comme ça, tu as vu, j'ai servi forcément et simplement des barricades. Et finalement, il a été saisi, il a été notifié. Il a été notifié, mais maintenant, ce qu'il faut faire après notification, la conséquence, c'est convoquer, identifier les doyens d'âge et les collègues les moins âgés. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce qui allait se passer? Madame Mabounde est partie qu'elle a eu une réunion, elle a eu une réunion à 13h. Mais est-ce que, une plénière, est-ce que du moment où elle est saisie, elle peut-elle encore présider une plénière? Non, juridiquement, expliquez-nous. Non, mais juridiquement, parce que la procédure, l'article 31, en son alinéa 6. Je crois avoir ça ici. Ouvre la voie à une procédure d'urgence. C'est-à-dire qu'aussitôt notifié Christian Bossembe, la procédure se déroule dans les 72 heures. Là, c'est l'article 31. Alors, alinéa 6. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'assemblée plénière délibère au cas par cas. La séance est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale et assistée par deux députés nationaux les moins âgés. Ok, Et commencer la disposition qui vient avant. Lorsque le président de l'Assemblée nationale est mis en cause, l'assemblée plénière est convoquée et présidée par le membre présent. Très bien, le presseur. Ouais, le presseur. C'est-à-dire que si c'était Mabunda, c'est Balama Gekiure convoqué la plénière. Oh, d'accord. Mais comme ils sont tous mis en cause, en réalité, ils n'ont plus qualité. C'est les doyens d'âge qui président la plénière. Mais en réalité, c'est le secrétaire général comblant la lacune qui convoque cette plénière. Mais l'opération qu'ils ont faite là, c'était faire disparaître le secrétaire général pour qu'il y ait une brisure. Oui. Qu'il n'y ait pas contact entre lui et les députés nationaux. Mais malheureusement, il est dans le choix parce que vous l'avez rencontré. Mais justement, on l'a eu. Voilà, vous l'avez eu. Et même dans sa fuite, il était en cavale. Alors, le monsieur du bureau du courrier, qu'on a finalement transporté après là, tout ça, pourquoi il a fouillé lui? Il a obéi à un ordre manifestement illégal? Non, ben écoutez, c'est un système. Moi, je n'aimerais pas ici qu'on fasse un débat des hommes. Mais c'est parce qu'en réalité, je sais que toi, tu fais un débat des hauteurs, comme je tente par moment de le faire. Mais c'est décevant. Si vous le faites si bien. Ben, c'est décevant. Ouais, vous le faites. Mais c'est décevant de constater que des hommes entrent en danse pour empêcher les élites nationales à poser régulièrement les actes et leurs attributions. Non, ben. C'est atypique. Vous avez fait le droit constitutionnel, vous dites que le droit de civiliser. Honorable, qui connaît le droit constitutionnel, connaît le droit administratif. Donc, vous avez un argumentaire d'autorité sur la question administrative. Quelle est la sanction que l'on doit réserver à ces gens qui se rebellent contre les institutions, mais qui obéissent à des dictats politiques? En droit administratif, c'est quoi la sanction exacte? Bon, en fait, le droit administratif, ce n'est pas le droit des personnes. Oui. Le droit administratif, c'est un droit des actes. Et exceptionnellement, le droit administratif peut s'intéresser des personnes lorsqu'il s'agit des personnes qui appartiennent à une administration. Ça, c'est dans le cadre du pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire qu'on sanctionne et les actes et les personnes. Généralement, ce sont des sanctions sui generis, révocation, ainsi de suite. Mais dans pareil cas, quelqu'un qui se rébelle à la loi, il y a des sanctions pénales.
il faut faire feu de tout bois. Administrativement, ces gens-là, ils doivent être sanctionnés. Mm. Et les actes posés doivent être annulés. Parce que le droit éducatif, en principe, c'est un droit des actes. On doit annuler ces actes. Et les auteurs de ces actes doivent être limogés. Eh bien, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, lundi? Lundi, c'est que c'est parce que oui. Mabunda, en dépit de la pertinence de cette disposition, qui nous donne 72 heures pour la convocation, parce que vous n'avez pas lu en entier, oui. 72 heures, Mabunda ne peut plus poser aucun acte. Et nous l'avons décliné dans notre dernier communiqué. Nous avons dit, madame, avec tout le respect que nous vous devons, vous ne pouvez plus. Vous êtes, j'allais dire, épuisanté. Mm. C'est-à-dire que vous n'avez plus la compétence d'agir et de poser des actes pour le compte de cette administration, c'est-à-dire le Parlement. Parce que vous êtes mis en cause. Mm. Mais Mabunda s'est entêté. Madame Mabunda, excusez-moi, j'ai du respect pour la femme. C'est une femme intelligente pour qui j'ai beaucoup d'estime. Madame Mabunda, dans l'opinion, a traité sans tête avec tout son orchestre, tout son bureau, a convoqué une plénière sur un ordre du jour précis. Mm. Et quel est l'ordre du jour aujourd'hui, qui est marrant? Aujourd'hui, ils vont discuter sur le rapport de la commission suivi évaluation. Un rapport qui n'avait jamais été débattu. J'étais avec l'inspecteur général du MLC, Jacques Joly. On a discuté là-dessus, il a dit que ces rapports, ils n'ont jamais débattu. Donc, un rapport qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Et le deuxième point, c'est les divers. Mais divers dans une assemblée nationale, ben, on sait comment ça fonctionne. Ils sont en train de préparer une zécouille avec une motion incidentielle. Une zécouille va passer au deuxième point pour solliciter l'examen illico au poste de la pétition. Et nous savons la logique pour eux, c'est d'envoyer toutes les pétitions et les pétitionnaires au comité des sages pour que ceux-là qui sont, entre guillemets, soupçonnés par eux de corruption soient sanctionnés. Mais quelle dictature parlementaire prédatocratique et inutile, vidée de tout sens. Et qu'est-ce que... C'est de la bêtise. C'est comme ça, nous avons dit à la population congolaise, venez, nous allons barrer la route à ces imposteurs. Alors, il n'y aura pas plénière. Et le secrétaire général a fait un communiqué. Parce que c'est lui le maître à bord. Oui. Il n'y aura pas de plénière aujourd'hui. Là, je vous apprends, et je crois que vous allez vous transporter avec vos caméras, oui. Il n'y aura pas plénière. Et nous avons dit que toute plénière, c'est ça, même s'ils arrivaient à le faire par forcing, cette plénière pour nous, elle est nulle et non advenue. Et l'acte qui convoque cette plénière est inexistant. Alors comment ça va se passer dans la pratique? Est-ce que le doyen d'âge, comme vous avez bien appelé le bureau d'âge, est-ce que le bureau d'âge sera installé finalement? Demain, je vous confirme que le bureau d'âge sera... Je viendrai vous accompagner demain. Venez vous nous accompagner, vous verrez. Malheureusement, je n'en ferai pas partie. Pourquoi? Je commence à prendre de l'âge. Ok. Alors, mais ce bureau d'âge, quand il va finalement s'installer, quels sont les actes qu'ils vont poser, ce bureau d'âge? Non, mais une seule mission, en principe. Et une deuxième mission, comme exception, en fait. Parfois, comme exception, ou la suite logique de la première mission. Mm. La première mission, c'est simplement la convocation de la plénière et l'examen de la pétition. On délibère, on sanctionne les bureaux et partis. La deuxième mission, c'est la convocation des élections. Ah, aussi rapidement comme ça? Rapidement possible. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide. D'accord. Et l'administration a horreur du vide. Oui, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le bureau est tombé, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, là on appelle... Les plus ambitieux déposent des candidatures. Oui. Et nous avons des élections. Et vous allez être candidat? Ah non, ben non, moi je ne suis pas ambitieux. Ok. Moi, bon, en fait, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un parti politique. Okay. J'ai un président national qui regarde le profilage de tout un chacun. Et s'il estime que Daniel, ton travail, tu dois rester au Parlement, ben je reste. S'il dit, ben Daniel, tu vas ailleurs, ben, ma foi, j'irai ailleurs. D'accord. Mais alors, le bureau, quand il va, est-ce que c'est l'installation du nouveau bureau veut dire tout de suite l'installation d'une nouvelle majorité parlementaire? Est-ce que c'est... Mais ça se tient absolument, parce qu'on ne peut pas arriver à l'éviction du bureau sans la requalification ou même la recomposition de la majorité parlementaire. Et dans une démocratie parlementaire sérieuse, lorsque l'on vous désavoue par plus de 251 collègues, parce que le droit conseil, c'est un droit des personnes civilisées, vous démissionnez. Vous allez voir, j'ai appris que certains d'entre eux vont démissionner. Ils ne vont pas arriver au débat. Des gens sérieux vont démissionner. Et vous en connaissez quelques-uns qui vont... Non, ben je dis, ce sont... En fait, ici, on ne va pas jouer à la matérie, oui. Pour dire que tel va démissionner, tel autre ne va pas démissionner. Mais tenez, je l'ai dit comme un oracle. Et de manière prophétique, je présage ce qui va arriver. Parce que dans la plupart des cas, quand je présage,
ça se cristallise exactement tel que j'ai un peu comme vous avez vu le discours du président de la République. Exactement comme j'ai vu l'arrestation de Vital Kamerhe. Comme j'ai vu beaucoup de choses par le passé. Et mais seulement que Kabila, la suite de Kabila, vous ne voyez pas encore. Hein. Non, mais je vous le dirai. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est dans la logique du désoclage. D'accord. Le système, c'est des socles, de bout en bout. C'est-à-dire que le système a son nœud gordien à Kingakati. Mais sa structure, son armature est implantée au Parlement et au gouvernement et dans les assemblées provinciales. Alors, nous sommes dans le processus de déboulonnage et de désoclage progressif. Et vous avez commencé au niveau de l'Assemblée nationale, et donc, puis le gouvernement. Et bien, si nous désoclons l'ensemble du système, Kabila est en réalité, il devient comme tout individu, comme toi, Christian Bosseni. Mais il sera sénateur quand même. Ben, il reste sénateur. Mais il n'a plus autant de policiers à sa garde, autant de militaires à sa garde. C'est-à-dire qu'il retrouve avec bonheur et certitude sa liberté d'attendre. Il est libre. On peut le rencontrer dans un supermarché. Et puis voilà, c'est un citoyen. Et puis la République avance. Aujourd'hui, au bureau, vous dites le bureau, parce qu'on va terminer sur la question du bureau. Au niveau du bureau, il y a des ambitions qui se dessinent finalement. Un nouveau bureau est là et ça tient la majorité parlementaire. Comment ça se présente pour aller voir le président de la République, pour lui présenter votre candidat ou votre équipe majoritaire? Non, en réalité, le Parlement a des points d'intercession avec le président de la République. On n'y va pas comme ça. Comme des petits moutons, nous allons voir le président de la République regarder. Non, le canal par lequel le président de la République nous atteint, c'est l'informateur. C'est l'informateur. Il l'identifie, il donne. Et si cette majorité... Alors, la majorité, c'est un fait d'abord sociologique. Il devient une réalité juridique dès lors qu'il est constaté par l'informateur qui fait rapport. Mais... à tout le moins, la majorité peut toujours basculer parce qu'étant sociologique et sociologiquement biodégradable, la majorité peut croître et décroître, peut se composer, décomposer, recomposer, construire, déconstruire, se reconstruire. Donc la majorité dans une forme de mouvement brownien, donc ça tourne. Et dans une forme, dans un mouvement répété, en fait, dans une ondulation. Voilà, la majorité est toujours ondulatoire. Mais si... elle n'est pas stabilisée. Et donc, c'est l'informateur qui constate, parce que c'est un fait sociologique qui s'opère en dehors du Parlement. Et qui s'opère en dehors du Parlement et qui se constate à l'intérieur du Parlement. Que fait l'informateur exactement? Ça veut dire que l'informateur, après qu'il ait reçu, n'est-ce pas, tous ces fragments qui se réclament aujourd'hui de l'Union sacrée, il procède au dénombrement. Pour savoir ce qu'il a constaté en dehors du Parlement. Ce qui s'est opéré, voilà. En dehors du Parlement, est constatable à l'intérieur du Parlement. Et vous avez posé une question assez pertinente. Ça, c'est constaté notamment dans l'éviction du bureau. D'accord. C'est le premier test. On comprend juridiquement qu'il y a une majorité. Et puis après, lorsque le président de la République nomme, ça se constate dans l'approbation du programme. Alors, nous voulons savoir, lorsque vous évincez Mme Abunda et tout son bureau, cette majorité-là, l'informateur va l'interroger pour savoir si vous êtes réellement une majorité. Et à partir de quel moment on parle du Premier ministre? On parle d'un candidat Premier ministre. C'est toujours l'informateur ou c'est le chef de l'État? Non, non, l'informateur s'arrête lorsqu'il dépose son rapport. Ça s'arrête là. Et c'est fini. D'accord. Et son rapport, c'est de dire au chef de l'État, regarde, tenez, excellence, la majorité vient de changer de camp. Ah, d'accord. Voici ce que je viens de nommer. Ça veut dire que le FCC, désormais, a 48 députés. Et quelques députés isolés, têtus. Autour du FCC, qui forme une constellation avec le FCC des 58 députés ou 50 députés. Mais je remarque, chef d'État, qu'il y a 450 personnes qui sont vers l'Union sacrée. Voir la nouvelle majorité avec laquelle il faut faire. Et chef d'État nomme le Premier ministre issu de cette majorité-là. Alors dites-nous constitutionnellement, est-ce que c'est lui-même le chef de l'État qui décide de qui va être Premier ministre ou ça va être une réunion de ceux-là qui forment la majorité pour désigner une personne ou une liste de personnes? Effectivement, parce que ce pouvoir, c'est un pouvoir propre du chef de l'État. Okay. Mais il y a une formalité requise, c'est que c'est la majorité qui propose des personnes au chef de l'État. Okay. Ça peut être Daniel Mbaou, ça peut être quelqu'un d'autre. Un éventail de choix. Je serais heureux de voir Daniel Mbaou Premier ministre de ce pays. Comme ça, on sera tous fiers, on se dira, ben, ok, on avait un président à 29 ans, et maintenant on en a un à 33 ans, et ça nous va. Non, mais, on est fiers. Mais ces propos-là, ça ne m'engage pas. Ça m'engage, moi. Nous sommes en politique. Très bien. Et donc, il regarde sur les 450, et il vous demande de proposer. D'accord. Mais dans un consensus clair, vous proposez 3, 4, 5 noms. Et le président de la République désigne les noms qui conviennent, les noms qui entrent dans le profilage qu'il aura lui-même défini. Et là, le Premier ministre n'est pas obligé d'être un député. Il peut être quelqu'un d'autre. Il peut être quelqu'un qui appartient à la famille. Non, ça veut dire que c'est comme ça que la majorité parlementaire, c'est d'abord une réalité sociologique. Sociologique, très bien. Et c'est cette réalité, parce qu'il y a des gens qui pèsent lourd, mais qui sont en dehors du système.
Il y a des gens qui surdéterminent l'action et le fonctionnement du système tout en étant en dehors du système. En dehors du système. Ben, vous pouvez avoir un député qui pèse les kilos de son propre corps. Et puis après, d'un point de vue institutionnel, vous sentez qu'il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Mais vous avez un gars comme Bahati, il est ailleurs. Mais il a ses députés. Il pèse beaucoup plus. Vous avez un gars comme Jean-Pierre Bemba qui pèse au-delà de ses propres députés. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'au-delà, il y a des gens qui pèsent par rapport à leurs députés. Il y en a qui pèsent au-delà de leurs propres députés. Et c'est le cas de Jean-Pierre Bemba. Selon vous. Très bien. Alors, dites-moi, dites-nous, honorable Mbaou, lorsque nous parlons au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez déjà ces députés, cette majorité-là. Mais supposons que vous n'avez pas la majorité et que vous ne réussissez pas à désocler, le terme que vous voulez d'ailleurs, à désocler Mme Mabunda, à défenestrer Mabunda, et qu'elle continue, elle garde cette majorité, vous faites quoi en ce moment? En ce moment, nous sommes morts. C'est fini, c'est clair. Et c'est le chômage collectif. Chômage collectif. Et ben, c'est fini pour nous. Sans promesse de résurrection. Pour les uns, bien sûr. Mais pour les uns, mais pas forcément pour les autres. Oui, exactement. Mais c'est ici l'occasion d'interpeller la conscience de Puda. Oui. Nous avons la capacité spirituelle de régénérescence. Nous pouvons revenir. Mais il y a beaucoup qui sont sortis de la machine. La machine que nous avons tous décriée. Mais j'imagine pas Félix en train d'organiser les élections avec des contestations autour de la machine. Et donc, le Gaïa risque d'être mal barré. Parce que j'apprends que le FCC est en train de s'organiser pour donner $50,000. J'apprends. Je vous l'ai dit avec pincette. $50,000 à 30 pétitionnaires. De sorte à faire basculer la majorité. Parce que pour faire passer la pétition, il faut une majorité absolue. Ils veulent avoir 30. Mais écoutez, ces 30-là, si vous avez $50,000, ça vous aurait servi à quoi? Parce que vous finirez par partir. Vous finirez par partir en fin de compte. Peut-être qu'ils vont battre campagne pour les 50 000. Un panneau publicitaire coûte $10,000. Donc, vous n'aurez que 5 panneaux pour battre campagne. Et entre-temps, vous n'aurez plus la confiance de la population avec 5 panneaux. Alors, vous acceptez de prendre $50,000 pour hisser 5 panneaux et perdre les élections et mourir, excusez-moi, dans le chômage. Parce qu'il y a certains compatriotes qui disent, mais écoutez, lorsqu'on s'attarde à dire que le chômage, c'est comme si on s'en comptait dans ce... Non, pas forcément, je peux ne pas être député demain. Mais je suis en train d'interpeller la conscience des collègues pour dire que ça ne servirait à rien. Et puis, parce que tu vas dans une circonscription où Christian Bosseme n'aura pas à battre campagne. Tu places 5 panneaux avec les $50,000 de corruption, ça ne t'aura rien servi. Il faut écouter, ça c'est un prophète qui parle maintenant. Ça ne t'aura rien servi parce qu'il va te battre à plate couture et dans tout le bureau. Ouais. Et parce qu'il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas un gars qui va nommer. Mais tu vas perdre. Ça va être compliqué. Et le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est ici l'occasion d'interpeller les collègues à voter massivement pour la pétition. Et de sorte que l'on puisse consolider notre majorité parlementaire. On va terminer. Prenons l'hypothèse que le chef de l'État a cette majorité. Très bien. Mais alors, qui va être l'informateur? On parle de Jean-Pierre Bemba, informateur. On parle de Jean-Pierre Bemba, Premier ministre. On parle de Jean-Pierre Bemba, l'allié privilégié du président de la République. Un temps, on parle de Katumbi qui serait très proche de Jean-Pierre Bemba et proche de Félix Tshisekedi aujourd'hui. On les appelle des anges gardiens. Où sommes-nous aujourd'hui? Non, mais je ne veux pas entrer ici dans les secrets du roi. Oui. Jean-Pierre Bemba a été consulté en tant que Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba n'a dit mot. À ce jour, il n'a jamais communiqué. Oui. Et le MLC, c'est un parti discipliné. Nous sommes des fourmis. Je n'ai pas reçu mandat ici à dire aux téléspectateurs si c'est Jean-Pierre Bemba qui va être informateur ou pas, s'il est preneur ou pas. Jean-Pierre Bemba est insaisissable. Qui vous dit forcément qu'il est preneur ou pas? On ne le sait pas. Et donc, comme Jean-Pierre Bemba n'a pas communiqué jusqu'à aujourd'hui, et nous considérons que la question jusque-là reste encore nuageuse et ténébreuse, comme dit un confrère. Est-ce que vous l'avez rencontré, Jean-Pierre Bemba? Non, mais ce n'est pas ici, sur votre plateau, que je dirais que j'ai rencontré Jean-Pierre Bemba. La dernière fois, c'était quand? Mais logiquement, imagine, je suis quand même son secrétaire national, non, en charge des questions juridiques et droits humains. Il vous appelle par votre nom, comment il fait? Il vous appelle honorable, Daniel, comment non, il fait? Non, mais écoutez, Jean-Pierre, c'est quelqu'un de très affectué. C'est quelqu'un de très bien. Peut-être que c'est cette facette, beaucoup ne l'ont jamais découvert. Oui, on nous brandit un homme brutal. Non, un mais homme... c'est quelqu'un de très poli, quelqu'un de très bien éduqué. Okay. Et c'est quelqu'un qui vous aborde avec gentillesse, avec amour et affection. En réalité, c'est un leader né, Jean-Pierre Bemba. C'est un manager. Donc, Jean-Pierre Bemba ne peut pas nommer quelqu'un sans qu'il n'ait échangé préalablement avec cette personne ou sans qu'il n'ait un point de contact avec cette personne. Ça ferait innocent. Ça ne serait pas Jean-Pierre Bemba.
C'est pas un automate, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba observe et innove. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi ont finalement le terme, mais si j'avais beaucoup de vocabulaire comme vous, je l'aurais certainement sorti. Est-ce qu'ils ont affermi leur relation aujourd'hui? Non, mais vous avez vu la réaction de Jean-Pierre Bemba, du MLC, tout de suite après que le chef d'État ait fait son intervention, Jean-Pierre Bemba a dit qu'il saluait. Donc on peut noter par delà qu'il y a un rapprochement entre les deux. Mais pas Madame Bazaïba, on dirait. Autour des valeurs. Mais Madame Bazaïba, c'est notre secrétaire général. Autant que tous nous sommes éléments dans le système, c'est un élément, une pièce essentielle du système, mais qui aussi disciplinée qu'elle est, parce que je la connais, obéit à l'ordre du système, au fonctionnement du système. Donc la tête de Jean-Pierre Bemba, il y a une unité systémique. Je sens de la diplomatie dans ce que vous dites. Hein. J'avais même dit une solidarité dirkémienne. Nous travaillons dans une parfaite harmonie. Et je pense que si Jean-Pierre Bemba apparaît, c'est la stratégie du MLC pour le moment. Et F. Bazaïba aura son temps de s'exprimer. Est-ce que vous êtes toujours dans la Mouka? Oui, nous sommes la Mouka. La Mouka ou la Mouka Fayoulou, la Mouka Mouzito? Parce que vous êtes à l'opposé. Mouzito a critiqué en disant que le chef de l'État n'avait pas le droit de le faire. Le système Kabila continue toujours parce qu'il fallait attendre la démission du chef de l'État. La démission du Premier ministre. Non, mais Mouzito est libre de dire ce qu'il peut dire. Moi, j'estime que la Mouka garde son unité. Mais une unité dans la diversité. C'est une expression de richesse à mon avis. Je comprends très bien. Mais alors, cette unité dans la diversité, mais est-ce que ce n'est pas une unité dans la contradiction finalement? Non, mais lorsque derrière la contradiction peut transparaître l'expression démocratique et la liberté d'expression, on ne peut qu'ovationner. Et aujourd'hui, est-ce que... Et c'est une contradiction consolidante. Pas de consolidante. Parce que c'est vrai que la Mouka a des structures. La Mouka organise ses réunions. Mmh. Et de toute manière, dans la charte de la Mouka, il est dit que chaque leader de la Mouka est libre de poser des actes individuels. Ça veut dire que Mouzito peut s'inscrire dans une dynamique des initiatives individuelles. C'est son droit. Mais quand vous êtes dans la Mouka, vous ne dites plus le même mot. Quand les autres s'allient au chef de l'État, ils viennent le soutenir. La Mouka, c'est un combat. La Mouka, c'est un état d'esprit. En ligne de mire, c'est Kabila, l'ennemi principal de la Mouka. Mais si tu sais que tu nous l'offres sur un plateau, pourquoi ne pas l'accompagner? On dirait la Mouka pour Mouzito. Bemba et Katumbi sont des demandeurs de poste. Non, pas du tout. Bemba était vice-président de la République. Bah, lui, il a été premier ministre aussi. Et Katumbi, gouverneur. Et plus encore, Bemba a grandi dans une opulence insolente. Bemba ne cherche pas l'argent. Bemba a payé pour tous ses députés la caution. Et je me souviens parce que j'étais à la trésorerie en ce moment-là. Nous avons dépensé plus d'un million de dollars alors qu'il sortait fraîchement de la prison. Mais arrêtez, c'est rabot. Bemba, c'est un monsieur sérieux. Et Bemba n'est pas n'importe qui. Parce que la plupart de ceux qui crient aujourd'hui quand Bemba faisait la politique, ils étaient tous des sous-acteurs politiques dans des petits systèmes. Et Bemba s'opposait à leur idée. Dans les palous, c'était Gizenga. Mais à l'époque, moi, je respecte Antoine Gizenga. Il ne pouvait pas prendre les armes en ce moment pour résister contre Jean-Pierre Bemba. Lorsque Bemba se battait pour la démocratie et l'état des droits. Et vous savez que les Palous n'avaient qu'à peine 5 ou 6 députés nationaux en Assemblée nationale, alors que les MLC avaient les perchoirs. Arrêtez cette histoire. Bemba, c'est un esprit. Bemba dégage une aura. Bemba a une histoire avec ce pays. Et cette constitution, en réalité, on le dira, ben c'est un deal national qui a été accompagné par Jean-Pierre Bemba. Et tous ceux qui ont accompagné l'accord de Sanctity. Et donc, arrêtez de comparer Bemba. C'est peut-être par concours des circonstances et par accident de l'histoire que Bemba n'a pas pu compétir. Sinon, on n'engagerait pas un débat aujourd'hui autour de la personne de Bemba parce que son leadership est incontestable. Oui, mais il a accepté d'accompagner Fayoulou. Est-ce qu'aujourd'hui, Bemba regrette le choix qu'il a porté sur Fayoulou? Non, il ne regrette pas du tout. Très bien, on va terminer ce débat parce que ça, pour moi, ça a été un grand honneur de tourner cette émission avec vous. Je crois que les gens vont beaucoup apprécier. Vous êtes très pertinent. Et la suite des choses maintenant, comment ça va se passer? Comment va se composer le gouvernement? Bon, le président de la République a dit que la taille du gouvernement sera moindre. Ça vous a réjoui? Mais ça nous arrange tous. Et le président de la République a fait noter aussi par ailleurs qu'il réduirait les trains de vie des institutions. Oui. Mais ça nous a réjoui. Mais pour le reste... 680 000 dollars de Kabila vous gêne beaucoup? Trop.
Mais comment vous imaginez une chose pareille? Pourquoi il n'y a jamais une initiative parlementaire allant à l'encontre? Ah non, si, si, il y en a eu avec l'honorable Jacques Njoli qui s'est finalement attaqué formellement à cette loi. Est-ce que ça vous gêne autant, le traitement d'un ancien président? Trop. C'est un traitement qui frise l'arbitraire et les déséquilibres. C'est indécent. Et dans une république qui s'est veut sérieuse, pareille bêtise, j'ai dit bêtise, ne peut pas être admise. Mais malheureusement, nous sommes butés à l'obstacle. Nous sommes en face d'une majorité mécanique qui ne veut pas comprendre les choses, qui ne veut pas intérioriser l'alternance au pouvoir et l'évolution. Voilà. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple congolais à ce sujet? Est-ce qu'on a tourné, on a changé de livre au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est la prédocratie qui tombe pour finalement une bonne gouvernance parlementaire? Qu'est-ce que vous dites au peuple? Non, mais ce que je peux rassurer au peuple que la dynamique vers laquelle nous tendons, c'est une dynamique de changement. Changement dans les principes et dans les valeurs, ce qui est important. Ce qui doit dorénavant nous mettre d'accord, ce sont les principes et valeurs démocratiques et républicaines. Je pense qu'on va converger dans ce sens-là avec toutes les forces politiques qui admettent aujourd'hui à s'inscrire dans la logique de l'Union sacrée. Le plus important ici, c'est les peuples au centre des activités parlementaires, les peuples au centre des activités institutionnelles. Les droits constitutionnels vont reprendre au Congo ses lettres de noblesse. Parce qu'en réalité, le droit constitutionnel, c'est un droit des individus. Ce n'est pas forcément un droit des institutions. Le droit constitutionnel a trois dimensions. La première dimension, elle est normative. La deuxième dimension, elle est institutionnelle. Et la troisième dimension, elle est substantielle. Ça veut dire qu'elle touche aux libertés et les libertés fondamentales des individus. Ça veut dire qu'on ne crée pas l'État pour l'État, mais on crée l'État pour l'homme. On ne crée pas les règles Pour pour les les règles, mais règles. c'est pour les hommes. On les crée pour les hommes. Mais c'est comme ça, les constitutionnalistes américains, vous savez, les rédacteurs de la Constitution américaine disaient que à chaque fois que le gouvernement entreprend d'abolir les droits et libertés fondamentaux des citoyens, l'insurrection est pour ces peuples. Et chaque portion de ces peuples, l'obligation la plus sacrée, la plus indispensable. Ils sont allés plus loin pour dire ceci, que toute entreprise humaine qui ne ferait pas la promotion et le bonheur collectif, même individuel de ses membres, est appelée à disparaître. Donc, l'État, c'est une machine de production d'intérêt général. Donc, je pense que c'est la dynamique vers laquelle nous devons tendre. Travailler pour l'État. Quitter de l'État maximaliste vers l'État minimaliste. C'est-à-dire un État qui réduit la présence de l'État et accroît la force de l'individu dans l'État. Voyez-vous? Mais par contre, depuis 18 ans, nous sommes dans un État omniprésent. Un État qui affaiblit les citoyens. Un État qui affaiblit les initiatives privées, un État qui affaiblit l'entrepreneuriat, un État même qui participe dans les marchés publics pour s'octroyer des marchés, un État qui, en quelque sorte, inonde même les marchés miniers. Et pourtant, l'État devait ouvrir l'espace, créer Pour l'espace et permettre à ce que accompagner, les gens avancent, pour évoluent. créer l'épanouissement. Et donc, ce que l'Union sacrée va faire, j'estime avec les potentialités que nous avons, 3 ans suffiront. Pour changer la donne. Ouais, pour changer la Est-ce donne. que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de réceptif? Est-ce que vous l'avez rencontré? Ouais, J'ai vu des photos. plus d'une fois, plus d'une J'ai fois. vu des photos avec Félix Tshisekedi très proche. Je ne le dis pas parce que nous tendons vers l'union sacrée. Moi, je ne suis pas un flatteur. Je ne veux pas livrer certaines choses ici sur le plateau. D'accord. Mais je crois que vous l'avez déjà vu, Félix Tshisekedi, plus d'une fois. Une fois, là. Plus d'une fois. On va passer. C'est vous Plus d'une qui fois. répondez à mes questions. Vous remarquez que c'est quelqu'un de très aimant. Oui. Et vous remarquez que c'est quelqu'un qui ne peut même pas faire mal à une mouche. C'est quelqu'un qui, à le regarder comme ça, il est loin du sang. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une crise d'outils autour de Félix Tshisekedi pour accompagner sa vision. Mais lui-même, c'est quelqu'un qui veut porter la République. Parce que le problème du Congo, c'est une crise des 3 V. J'ai toujours dit V comme vision, V comme vecteur et V comme volonté politique. La vision politique, aujourd'hui, on sent l'union sacrée, elle est là. La volonté politique d'accompagnement est aussi là. Mais ce sont les Mais il y a un vecteurs. problème des vecteurs, c'est-à-dire des outils techniques et humains d'accompagnement. Pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes comme de Christian Bossembé demain? On a besoin des outils renouvelés.
comme vous, par exemple. Non, mais je ne disais pas de Christian Bosseni. On termine. Alors, dites-moi aujourd'hui, si le président de la République veut faire de vous un premier ministre, par exemple, ou un ministre de la Justice, parce que je vois bien dans ça, ou le ministre de l'Enseignement, comme on aura des Daniel Mbaou au niveau de l'école, au niveau de l'université. Je ne voudrais pas que tu m'amènes sur, j'allais dire, l'hôtel de l'Holocauste. Nous sommes en politique. Ce n'est pas comme ça qu'on livre des jeunes politiciens. Tu veux bien me protéger. Je veux bien vous protéger. Merci beaucoup, honorable Daniel Mbaou. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel dans notre pays. Vous êtes pasteur, vous êtes enfant de pasteur, vous êtes un homme d'église, vous êtes honorable député, vous êtes avocat et vous êtes charmant et beau. Ah, merci beaucoup. Comme tu l'as aussi. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir l'honorable Mbaou. J'aurai le même plaisir de le recevoir encore plus tard quand on aura fini avec cette histoire de l'Assemblée nationale. On reviendra pour discuter, pour faire notre débat. Et je vous ai déjà dit qu'avec nous, on va essayer de faire autrement les choses. J'aime bien sa phrase. Faisons la politique autrement. Autrement. Parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe né. Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es un nyonso, biloko ya ya wali ni yoko mwole. Oni dinde kola yo, a sali sa yote. Bona kolia na yo, moko ma bonde la yo. Bona mzoto na yo, moko ya ele. Poko ma bonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et d'autres. Tout à coup, on a pas six mois. Si non, vous voyez pas, il y a du nom, vous voyez. Mon combat, on a un teka. On a un teka, il y a un boca. Il y a fraise. Il y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a un bio, on a un canja. Par le bien, j'en vois, il y a dit. Et un combat, pas du bois. Par le bien, j'en ai dit. La combat, il y a un photo, il y a un bisez. Par le bien, il y a un bayabo, il y a un combo, il y a un bayabo. Carangando, il y a un bayabo. Pour pas trop comprendre, t'es congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Pas quoi, les radino, Coriana, appétit. Debout, congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, Zizou Bidoua, Daïmada, Chino Tweneleye, Nakinia Panapiko, Namo Sala, Toto Gabo, Kakule Kakitoko, Nakinia Panakongo, Toye Mali. Nous sommes